qui est, c'est qu'en fait, moi je veux parler sous Américains, disons étrangers, surtout les 16 Américains et le Canadien, que 400 Marozos enlevés. Moi, attendez des citoyens haïtiens et des mondes qui dans la politique, et même mon ancien candidat à la présidence, que je ne peux pas citer non, qui dit. À la bon, ça t'a bon. Si les 400 Marozos ont été tués, il y a nous deux Américains. Comme si ça peut permettre force américaine de débarquer et puis Haïti a tout bon. Moi, pensais gain de niveau de responsabilité au gain dans le pays. De réflexion qu'on va faire. Moi, quoi plutôt, faut réfléchir sur une situation qui est extrêmement grave, une situation qui peut attirer les grandes puissances. Parce qu'en fait, là, autant de kidnappés moun en Haïti, ce sont des Haïtiens, la presse américaine surtout est très peu intéressée par notre misère, par notre situation des sécurités, par l'évolution des gangs et par le niveau de corruption que l'autorité ou les dirigeants ont été impliqués. L'angle que je choisis à moi-même, c'est suite à cet enlèvement, la presse américaine commençait à débattre question hein, et Washington Post sortit avec une image. Ils mettaient un paquet de négazam et puis ils fait image négio et puis ils mettaient gang comme si il a montré Haïti. Moi, pour cette situation nous, je dis à l'arrivée non niveau côté Foc Marco Campagneval, nous-mêmes nous réfléchissons sur notre avenir. Faut nous réfléchir sur l'avenir de la nation. Il faut réfléchir sur l'avenir du peuple haïtien. Il faut réfléchir sur l'avenir des politiques dans ce pays. Il faut réfléchir sur l'avenir du secteur privé des affaires. Pas rien qui existait aujourd'hui en Haïti. Le chef de gang de 400 Marozos, image, monsieur, a fait le tour du monde. C'est l'homme puissant. Et nous-mêmes, au lieu que nous faisons réflexion que nous avons fait là, sous difficulté pays à guerre, sous qui je peuple nous à genoux, sous misère, nous donnons la parole à ces gens et nous faisons de la publicité sur les réseaux pour des gens qui violent les femmes, pour des gens qui pillent les magasins, de la publicité pour des gens qui ont tué des gens, pour des gens qui ont enlevé des pasteurs, des prêtres. C'est ça nous fait. Donc, nous avons une société sans normes, nous avons une société sans dirigeants, nous avons une société qui n'a pas même bien conscience collective. Pour qu'on ait qu'un danger, Jean-Marco Aval, qu'on dit, après tout pas, Ferrer, c'est pas le tout pas. Judith, c'est pas le tout pas. Et Gaston, c'est pas le tout pas. Thiedney, c'est pas le tout pas. Nous toutes. Nous vivons au peuple résigné et nous attendons qu'il leur apprend prochain monde. Nous n'avons qu'à fou pour nous dire non. J'ai vu l'image ou les propos, j'ai entendu les propos d'un pasteur, que je n'ai pas transféré d'ailleurs ses propos et son comportement. Nous pas rendre nos comptes aujourd'hui. C'est des images qui ont circulé en boucle. Un pasteur avec des prédicateurs et des fidèles qui ont prêché avec manchette yo, bon côté. Ma quoi, ça?
Où est-il? Non, pas pour elle. Où est l'image? L'image côté qui est machette? Dès que machette. Donc, nous ne rendons compte, parce que tu as dit, si on rentre, on fait un coup de balle, on tire nous, on a détruit, on a coupé tête avec machette. À l'intérieur de l'église, aujourd'hui. C'est l'image ça que nous avons, je dis. Mais qui ça? Mais à qui ça nous réduit? Et je ne me positionne pas par rapport à manchette là pour me dire s'il bon, s'il pas bon. Mais en dedans l'église, mais qui ça pasteur a prêché, mais qui zame a joué quelqu'un pour le défendre. Entre temps, nous dit que nous avons encore de police qui courit devant des individus armés et un corps de police qui dit pas les moyens, un corps de police côté yo commandé des blindés et blindés ça yo yo obligé ajuster yo pour répondre à opération que yo va faire et blindés ça yo yo vend yo tout comme ça. Donc c'est dans cette situation d'absence de l'État, d'échec total des élites et surtout du secteur privé des affaires, de l'échec de ceux qui avaient soutenu les candidats pour venir comme président, qui avaient investi des millions. Et c'est dans cette situation que certaines organisations de la société civile, des chambres de commerce, invite dans un dîner débat un PM qui n'existe même pas, qui n'a pas les moyens pour le faire de la politique. Ils ont invité le débat pour venir expliquer la situation du pays que tout le monde connaît, le kidnapping, la situation de la police, question gaz qui n'est pas arrivé parce que business n'est pas marché. Et c'est de ça qu'ils ont demandé pour qu'ils font un dîner débat. Moi comprendre bien. Autant des ministres intérieurs d'où l'a négocié à bandit dans 2 semaines, il y a fongé un jeune agent. Qui compte pas comme ça? Non. Qu'on doit jeune agent ça pour bailler là. J'en gêne en prendre devant pour négocier. Combien de monde qui n'a mis des bandits déjà nous humilié, on ne fait aucune démarche pour mais l'État dit, l'a négocié avec yo dans 2 semaines. 2 semaines pour ramasser l'argent, pour faire pour prendre l'argent pour le bail. Comme c'est l'État qui a décidé de kidnapper l'autre monde pour faire comme là, pour le bail, pour le bail 400 euros. Bon, si c'est un habitué kidnapper le monde, on va connaître. Et question obligée à poser. Nous allons ramasser l'argent de l'autre côté pour nous faire ça. Vous gardez la parole? Je suis certain que le pouvoir est en l'air avant d'être ça. Lionel Valbouin commence à prendre les palais pour ouvrir parce que les gens qui vont entrer dans le palais. Tu es un président qui est élu démocratiquement, Jovenel Moïse, dans l'élection. Donc, bon, il qui a fait tout parler à 7 fois pour entrer dans le palais, en dans le palais, mettons président. Je dis à parler à vide. Est-ce que le pays a décidé de mettre un grain de monde là-dedans pour diriger? Pendant une période de temps, avec toute liberté, là. Pour moi, je mettre canson dans taille, pour le bail résultat, pour ne pas occuper aucun vieux politicien qui a viré l'horloge, li, n'a fait des vieux accords, des graines gauches, pour être capable de faire un intérêt personnel. Je dis à fond de fond l'autre bagaille. Je dis à fond de commencer à réfléchir pour nous faire l'autre bagaille. Qui ça problème gaz là y est? Céline Bradé COE à Souéa là? Parce que nous pas qu'à quitter dossier ça là sans nous dire rien de lui. Nous allons parler de dossier gaz là. À un monde qui compte question ça très bien. Et je pense à ce qu'on a pris temps pour nous tendre toutes questions que nous allons poser Renan Paul. Parce que nous souffrions pile de cause gaz là. Renan Paul, bonsoir.
Ariel Henry,